Et bonjour à tous, on se retrouve sur Fortress Craft Evolved pour ce nouvel épisode de ce guide complet sous forme de let's play tuto. Le dernier épisode, nous avions enfin trouvé du lithium. D'ailleurs, on va aller dans le centre de recherche pour l'identifier. Je crois que ça doit être ça. Voilà, du lithium. Celui-ci, c'est comme je vous l'avais dit, j'étais descendu un petit peu plus profond hors caméra et j'avais trouvé ceux qui sont dans la zone de glace. J'y suis pas resté longtemps puisqu'on est en hypothermie immédiate quand on n'a pas l'équipement. Donc, je m'étais juste rendu compte que j'étais allé trop bas pour le lithium. Alors, nous avons maintenant normalement hop, largement de quoi. Oui, 21 depuis que ça tourne. 20, largement de quoi faire enfin un nouveau or extracteur. Voilà, heureusement qu'on en a 3 au début, hein, sinon ce sera un peu la galère. Et on va pouvoir recommencer à extraire hop, notre charbon. Donc on avait encore de la marge. Hein. On avait encore de la marge, mais tant qu'à faire, on va pas se priver. Hop. On va pas attendre d'être en rupture de stock. Il nous en reste encore 9, vous voyez. Hein, donc ça descend quand même vite. Alors maintenant, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, il y en a plusieurs possibles. C'est continuer évidemment à crafter des hoppers pour améliorer à chaque fois nos extracteurs. On peut aussi crafter des drills, comme je vous l'ai montré pour celui de fer. Hop, bon là ça va, je passe régulièrement hein, pour en équiper ici. Donc soit des hoppers, soit des drills pour les améliorer, mais c'est des matériaux dont on a besoin certes, mais pas en quantité extraordinaire et pour l'instant on en a déjà beaucoup. Donc on a le temps de voir venir un petit peu. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est automatiser la récolte du charbon. Je m'explique. Là, le charbon, ça descend quand même relativement vite. Et à chaque fois, il faut que je vienne le prendre ici pour aller le retransférer dans le hopper. Ce que j'aimerais, c'est que le charbon qui est extrait ici aille directement dans le hopper qui est là. Pour faire ceci, on a besoin de trois choses. Malheureusement, nous avons encore besoin d'un autre hopper, donc il va nous falloir du fer. On aura besoin de conveyor belt filter, pardon, il en faudra une. Donc là, ça va, on a ce qu'il faut, sauf du lithium, donc il va falloir aller extraire du lithium aussi. Et des conveyor belts, ça c'est pas un souci, il faut juste du tin et du copper. J'en ai pas beaucoup, mais c'est parce qu'il n'est pas fondu. Donc en fait, la seule chose qu'on a pour l'instant, qui nous manque, pardon, c'est du lithium. Tout le reste, si on n'en a pas, c'est juste qu'on n'en a pas encore assez, mais il suffira d'attendre un petit peu. Donc il va falloir que j'aille extraire du lithium. Pour extraire du lithium, bah, il n'y a pas le choix. Il va falloir que je crafte un autre extracteur. Donc il va falloir encore que j'extraie du fer. Je crois que j'en ai plus de fer là. Combien j'en ai? J'en ai 7. Oh, ça va, hein? Donc ça veut dire qu'il m'en faut 8, 8 fois 4. 8 x 8, 64. Il m'en faut 64. Ah, j'ai fait une bêtise là. Voilà. De l'énergie, il n'y en a pas des masses. Voilà, donc bah, je vais juste attendre un petit peu d'avoir de quoi créer un nouvel extracteur. Je pourrais tout simplement condamner un autre expa. Condamner. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Excusez-moi, on n'y voit vraiment rien là-dedans. Il n'y a pas moyen, je ne vais pas m'amuser à mettre des lampes tout le long. Qu'est-ce que j'ai en grande quantité? Ça, j'en ai pas beaucoup. J'ai 99 comme ça. 73. Ouais, on va peut-être arrêter le tin. Temporairement, ça évitera d'attendre pour avoir du. Hop. Oula, je suis en hypothermie, j'ai pas fait gaffe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter temporairement ça. On va attendre que celui-là soit fini. Parce que j'en ai pas mal en stock, en tout cas suffisamment pour ce que je veux faire. Le temps d'attendre de faire un nouvel extracteur, on va pas attendre trop longtemps, voilà, je l'ai récupéré. On va descendre et on va l'amener au niveau, voilà, tac, au niveau du lithium. Alors, d'autant plus que j'en ai pas besoin d'une grande quantité de lithium. On va recompter combien il en faut précisément. On va faire le plein. Voilà. Du lithium, il ne m'en faut que pour un seul craft, c'est celui-ci, il ne m'en faut qu'un, il en faut 5. Donc 5 lithium, c'est 5 fois 8, c'est 40. Il va en falloir 40, c'est quand même pas mal, hein, 40, c'est quand même pas mal. Je vais peut-être m'autoriser à faire des crafts de torches. Je vais aller récolter mon. Voilà, 10, genre ça m'en fait 16, ça me fait 3 torches, c'est pas mal.
Hop. Donc les torches, il n'y a pas besoin de la table de craft, c'est la touche C, voilà, craft, craft, craft. Donc je vais en mettre une ici, comme ça on va enfin y voir quelque chose. Voilà. Et je vais en mettre une au fond. Pour l'instant on n'y voit rien, je suis en train de tomber là, voilà. Tac, 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 tac. Voilà, on va en mettre une là, comme ça on verra un petit peu ce qui se passe ici. On va se crafter un couloir un peu plus large, histoire d'être moins oppressé. On va peut-être allumer la lampe aussi. Voilà, toujours aussi obscur, mais bon, bah c'est comme ça. Ah, il est quand même assez long ce couloir. Hein. Bon, c'est pas très grave, mais vous verrez que ça compliquera légèrement l'automatisation des systèmes quand on aura les matériaux pour faire ce qu'il faut. À moins qu'il soit large. Non, il n'est pas large. Non. Bon, bah tant pis. Alors, on met notre extracteur. On le nourrit d'énergie. Voilà. Et puis on va le laisser tourner, on n'aura plus qu'à repasser, récupérer le lithium de temps en temps. Voilà, ben, pas de surprise, hein. On va peut-être se mettre une petite lampe aussi ici. Voilà, comme ça on voit le début et la fin du couloir. Et on n'aura plus qu'à repasser là. Allez, je vais remonter en vitesse avant d'être en hypothermie complète. Et puis on se retrouve dès que j'ai avancé niveau récolte. À tout à l'heure. Alors, on va bientôt descendre chercher un peu de lithium. J'y suis déjà allé une fois. On a pas mal de points de recherche là maintenant, parce que vous avez vu qu'en plus le lithium par exemple, ça nous a rapporté beaucoup. Donc on va apprendre cela. Donc ça c'est pour faire. J'ai pas encore compris à quoi ça servait ça. Enfin, je comprends à quoi ça sert, parce que ça a l'air d'être un robot qui prend des blocs et qui les met ailleurs, mais j'en vois pas trop l'intérêt. On va quand même l'apprendre. Ça c'est des sous-items pour trouver d'autres choses. Tac. Et. Ah bah il nous manque un point pour le dernier. Alors, j'avais dit dans ma vidéo de présentation que j'avais tout découvert. Et en fait, c'est faux parce que là, même quand j'aurais appris ça, il n'y aura effectivement plus rien de disponible. Mais quand on continue de descendre et de creuser, il y a certains items qui non seulement rapportent des points de recherche, mais en plus débloquent de nouvelles recettes à apprendre. Donc, je ne sais pas quelle est la quantité maximum qu'on peut apprendre. Apparemment, il y en a toujours un peu plus. Quand on descend, on descend, on descend, c'est très profond. Et on trouve toujours de nouvelles choses. Donc. Bah écoutez, on verra bien ça ensemble. Hop, on va peut-être mettre notre lithium à fondre, le premier, voilà. On est full énergie, donc on va descendre chercher notre lithium. Hop, allez, on se laisse tomber, on n'y voit rien. Boum, on est déjà au fond. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus pratique que des escaliers, hein, vu qu'il n'y a pas de dégâts de chute. 12, ah zut, ça va pas très vite, hein. J'aurais peut-être dû mettre mon. Bon, on va quand même remplir d'énergie. Ça, ce sera fait. Tac. Je sais pas pourquoi j'ai des sursauts d'énergie dans ma suite. Donc j'ai mis beaucoup là. On va ramasser celui-là. Je sais pas combien je suis. On va faire le compte. Et s'il en manque beaucoup, je mettrai peut-être la tête là qui permet de creuser plus vite. Je l'enlèverai du fer et je viendrai la mettre ici temporairement puisque c'est du lithium dont j'ai besoin maintenant. Hop. Allez, il est remonté. Pop, pop, pof. Oula, je suis remonté très très loin là. Oui. Donc, il y a intérêt à maîtriser son grappin. Hein. Alors, on va récolter le fer. Niveau énergie, bon, on va mettre ce qui reste. Hein, tant qu'à faire. On va récolter celui-là. Voilà. Alors, il n'y a pas de petit profit. Hop. Alors, on fait le plein d'énergie dans un premier temps. Tac. Notre lithium, 21. Avec 21, il va m'en faire 2 seulement. Il va m'en faire 2 et là j'en ai 2 et il en fallait 5, je crois. On va vérifier. C'est ça. Donc il va m'en manquer 3. Bah 3, ça veut dire que si j'y retourne maintenant, il y en aura à 3. Donc allez, pas besoin d'emmener la tête. On va la laisser sur le fer qui reste quand même la priorité. Hop, tac. Ça devrait s'appeler Alone in the Dark ce jeu, mais je crois que le nom était déjà pris. Ah. Voilà, 6. On va faire le plein d'énergie. De toute façon, je pense que la prochaine fois qu'on passera, il sera full. On va attendre les derniers, comme ça on ne sera pas venu pour rien. Puisque on n'en a pas besoin tout de suite et je vais pas passer régulièrement parce que c'est un peu long de venir le chercher, donc tant qu'on n'en a pas besoin, on s'embêtera pas. Puis quand on aura besoin d'un peu plus de quantité de ce machin-là, on viendra mettre un hopper dessous.
Allez, on prend ces deux-là. Tac, on remplit full énergie et on se casse. Alors, on se fait une dernière remontée au grappin. Vous me direz dans les commentaires si ces remontées au grappin sont horribles, inutiles et tout ce que vous voulez. Je ferai des ellipses à chaque fois. Ça m'évite de couper pour l'instant, mais si ça vous embête, il n'y a pas de souci, je les enlèverai. C'est pas compliqué. Alors, on finit de mettre notre énergie ici. Vous voyez que là, l'énergie part beaucoup plus vite. Je pense que c'est parce qu'il y a le basic drill. Hop. Voilà. Allez, espérons que mes comptes étaient bons, que j'ai pas allé trop vite en calcul. Voilà, 13. Donc effectivement, avec 13, il va pouvoir m'en faire un dernier. Donc dès qu'il m'a fait celui-ci, je sais pas pourquoi il le lance pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il me dit? Power 100%. C'est la température qui est pas bonne. Faut que la température monte jusqu'à 1139 degrés et après il pourra commencer à le fondre. Voilà, clac. C'est parti. Donc là, il a commencé à le crafter et donc dès qu'il sera crafté, on pourra enfin faire notre tapis roulant. Allez, allez, allez. Hop là. Donc ça, on récolte. Pour l'instant, on met rien d'autre à fond parce que je ne sais pas de quoi je vais avoir besoin. On fait le plein d'énergie. Voilà. Allez, c'est parti pour les crafts. Alors, on peut donc, c'est bon, on peut crafter ça. J'en ai besoin d'un seul. Maintenant, il va me falloir ça. Il va me falloir du tin en masse. Donc c'est parti, le tin. C'est ça. Hop, voilà. Tu vas me faire du tin. Donc, ça, j'aurai tout ce qu'il faut pour faire. Et ça, il me faudra du tin et du copper. Et il m'en fera, j'en ferai 8. Donc, on va attendre le tin pour pouvoir placer notre. Hop là. Oh, bah, il était full. Vous voyez, hein, l'intérêt, comme ça, j'aurais plus à passer ici. Ça ira directement se stocker là-bas. Voilà. On va remplir ici de charbon. Il n'y avait plus beaucoup, hein. Voilà, c'est full. L'énergie, il n'y en a plus puisque tout est allé dans le four, mais c'est tant mieux puisqu'on a justement besoin de tin. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Donc voilà, vous commencez à voir un petit peu une des limites qu'on va avoir et qui devra nous préoccuper pour les prochains épisodes. C'est que là, comme les métaux commencent à être de plus en plus durs à fondre et surtout qu'on en fait fondre de plus en plus, eh bien ça suit plus là. Le power storage, il suit plus. Là, je peux même pas me remplir, il est vide parce que toute l'énergie passe là-dedans et après il faut attendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des réserves. On va rajouter des cellules d'énergie comme ça, on le fera dans un prochain épisode. On va commencer par les plus simples, les power storage blocks. Donc il nous faudra du lithium à ce moment-là pour ça. Et on en mettra, elles peuvent se mettre les unes à côté des autres, on pourra en mettre une là. Et on pourra aussi faire un autre générateur pour que l'énergie se crée plus vite. Ça, ce sera l'objectif des prochains épisodes. Voilà. Alors on va faire une ellipse le temps que tout ça se fonde et on se reprend pour les derniers crafts. Voilà, donc j'ai suffisamment de tin pour faire enfin mon nouveau hopper. C'est parti. Voilà. Alors on va aller poser le hopper. On va le poser là. Oh, c'est bizarre comme ça. Ça va marcher, hein, mais j'aime pas, ça fait bizarre. C'est quoi ça? C'est du charbon? Non, c'est pas du charbon. Ils sont un peu plus sombres ceux-là. Alors on va remettre la lampe après, hein. Donc je mets mon hopper ici. Je remets ma lampe à côté pour qu'on y voit quelque chose. Voilà, vous voyez qu'immédiatement il s'est rempli de ce qui était là-dedans, hein. Et donc maintenant le but ça va être d'emmener tout là-bas. Alors pour ça, on va faire un chemin. Zut. Voilà. Tac. Donc il faut respecter le sens. Donc là je me mets dans le sens où je veux que ça sorte. Zut, ça n'a pas marché. Voilà, c'est bon. Donc là ça marche, quand je me mets dessus c'est marqué toggle filter, on voit pas trop à cause du work in progress, faut appuyer sur E pour switcher et je l'autorise à transporter n'importe quoi et vous voyez que tout de suite il y a un bloc de charbon qui sort, vu qu'il n'y a plus rien il s'arrête là et donc maintenant et ben, il n'y aura plus qu'à crafter et c'est là où ça risque d'être un peu délicat, combien il me reste de tin? Un seul et je crois que c'est du tin qu'il me faut.
Voilà. Donc maintenant, il va me falloir autant de conveyor belt que d'espace entre mon hopper qui est ici et celui qui est là-bas. Donc du coup, ben, je vais avoir besoin de tin et j'en ai plus de tin. Donc il va falloir que je crafte un extracteur pour pouvoir en avoir à nouveau. Ou alors je vais peut-être sacrifier celui du copper. Mais de toute façon, ce sera dans un prochain épisode. Donc on se retrouve la prochaine fois pour finir de construire des extracteurs pour en avoir pour tout et pas arrêter de jongler. Finir ce tapis roulant et après on verra est-ce qu'on s'attaque déjà à la partie énergétique ou pas. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être appris 2-3 choses. Si vous avez des choses, vous, à m'apprendre de votre côté, n'hésitez pas. Hein, on va enrichir mutuellement nos connaissances. Merci à vous d'avoir suivi encore une fois cette vidéo et à bientôt. Ciao, ciao!